The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform for students of secondary education in Cameroon. A series of lessons taught by qualified teachers for secondary school students. Under the stewardship of Professor Pauline Nalovalyonga in collaboration with the Ministry of Posts and Telecommunications, CAMTEL, CRTV, and UNESCO, we are introducing distance learning as another teaching and learning method which is different from the traditional classroom setting that you are all used to. In the distance education mode, you are not with the teacher in person, so take your time, relax, listen to the teacher, take down notes and visit the following links for any questions or answers to your questions. Take it in your stride. This is Cameroon's solution to COVID-19 and beyond. Professor Nalovalyonga, Minister of Secondary Education. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Akoyamatala Ghislaine Brigitte, enseignante d'histoire. Nous allons cheminer ensemble pour les cours d'histoire en classe de 6e. Nous allons commencer par le rappel du devoir. Première question, donne deux différences de mode de vie entre le paléolithique et le néolithique. Donne deux différences de mode de vie entre le paléolithique et le néolithique. Nous allons corriger le devoir. Ici, nous allons nous appuyer sur plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est le matériau de travail. Durant le paléolithique, les hommes taillaient la pierre. Donc ici, le matériau de travail est la pierre taillée. Durant le néolithique, les hommes ont amélioré et la pierre était désormais polie. Donc, première différence au niveau du matériau de travail. Pendant le paléolithique, la pierre était taillée. Tandis que pendant le néolithique, la pierre était polie. Deuxième élément de comparaison, les activités pratiquées. Durant le paléolithique, les hommes pratiquaient des activités comme la pêche, la chasse, la cueillette, le ramassage. Pendant le néolithique, l'homme se sédentarise et pratique désormais des activités telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse, la cueillette et le ramassage. Autre élément de comparaison, le cadre de vie. Durant le paléolithique, l'homme était nomade. Un nomade est un individu qui n'a pas d'habitation fixe. Tandis que pendant le paléolithique, l'homme devient sédentaire. Et nous voyons la naissance des premiers villages, la naissance des premières communautés. Donc voilà quelques éléments permettant de faire la différence entre le mode de vie pendant le paléolithique et le mode de vie durant le néolithique. Nous allons poursuivre avec l'unité d'apprentissage du jour. Il s'agit de la leçon 7 qui est en fait un dossier intitulé l'hominisation. Cette leçon va s'articuler sur un plan bien précis. Ce plan comporte les éléments suivants: les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'évaluation et enfin le devoir. Alors notre plan a 6 articulations. Les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'évaluation et le devoir. En ce qui concerne les objectifs, cette leçon 7 a pour objectif de permettre à l'apprenant de décrire les étapes d'évolution des premiers hommes. Second objectif, localiser les aires occupées par les premiers hommes.
Alors, à la fin de cette unité d'apprentissage, l'apprenant devrait être capable, tu devras être capable de décrire les étapes d'évolution des premiers hommes. En plus de cela, localiser les aires occupées par les premiers hommes. Les prérequis nécessaires à cette unité d'apprentissage sont les premiers hommes et leur mode de vie. Nous venons de voir les premiers hommes et leur mode de vie. Quel était le mode de vie des premiers hommes? Nous avons vu que pendant le paléolithique, les hommes avaient un mode de vie différent du néolithique. Pendant le paléolithique, l'homme était nomade, tandis qu'au néolithique, l'homme se sédentarise et pratique désormais des activités telles que l'agriculture, l'élevage et d'autres activités favorisant un mode de vie sédentaire. En plus de cela, les prérequis nécessaires à cette leçon reposent sur les mythes de la création. Lors de nos différentes séances d'apprentissage, nous avons abordé les mythes de la création. Nous avons vu qu'il existe deux mythes de la création. Nous avons la thèse religieuse et nous avons la thèse scientifique. D'après la thèse religieuse, Dieu créa l'homme le sixième jour et le mit au-dessus de toutes les créations. Mais d'après la thèse scientifique, l'homme est issu de l'évolution des espèces. En plus de ces deux premiers prérequis, nous avons besoin des éléments constituant la civilisation du néolithique. Le mode de vie pendant le néolithique, les activités pratiquées pendant le néolithique. Et nous avons vu durant la leçon concernant le néolithique que pendant cette période, l'homme se sédentarise et pratique de nouvelles activités, crée des villages. Après avoir vérifié les prérequis, nous allons déboucher sur la situation problème. Durant tes vacances au village, ton grand-père s'exprimant uniquement en langue maternelle et ton petit frère s'exprimant uniquement en français ne se comprennent pas. Quel est le problème de la situation? Durant tes vacances au village, ton grand-père s'exprimant uniquement en langue maternelle et ton petit frère s'exprimant uniquement en français ne se comprennent pas. Identifie le problème de cette situation. Le problème de la situation énoncée est le recul des langues nationales. Quelles solutions pouvons-nous apporter à ce problème? Parmi les solutions, nous pouvons lister parler les langues nationales à la maison, participer aux différentes fêtes traditionnelles. Notre pays regorge, ou alors notre pays vibre souvent sous les festivités de plusieurs éléments traditionnels. Parmi les fêtes traditionnelles les plus célèbres, nous avons la fête du peuple Bamoun. Nous avons la fête du peuple Douala. Participer aux différentes fêtes traditionnelles permet de maîtriser les coutumes. Nous allons passer à la justification. Cette leçon permet à l'apprenant d'identifier les différentes étapes de l'hominisation afin de maîtriser la culture. Les différentes activités d'apprentissage repose sur plusieurs éléments. La première séquence d'apprentissage de cette leçon est les étapes d'évolution. Nous avons le premier document avec pour titre l'hominisation. Analysons le document 1. Phénomène d'évolution au cours duquel une lignée de primates s'est progressivement transformée en humain. Source: hominisation, Incrahu dictionnaire et recueil de correspondance, Média Dico. Document 2. L'apparition de l'homme. Observe le document 2.
Observe le document 2. Document 3, apparition de l'homme. Nous allons analyser ensemble le document 3. Il y a 3 millions d'années, apparurent les premiers véritables hommes. Leur évolution leur permit de faire d'immenses progrès. L'homo habilis maîtrisait le langage. L'homo erectus taillait des outils plus précis et maîtrisait le feu. L'homo sapiens était intelligent. Il fabriquait des outils perfectionnés. Il est l'ancêtre de l'homme actuel. Source, le Kalenek, Sophie et Haas, Histoire 6e, de la préhistoire au 6e siècle, Paris, Attier, 1994, page 26. Analysons à présent nos documents. Première consigne, donne la nature et l'idée générale de chaque document. Deuxième consigne, définis l'hominisation. Troisième consigne, identifie chaque étape de l'hominisation présentée dans le document 2. Quatrième consigne, décris les 3 premiers hommes présentés par le document 3. Nous allons apporter des éléments de réponse à ces consignes. Rappelons la première consigne. Donne la nature et l'idée générale de chaque document. Nous allons revenir pour voir chaque document. Le document 1, avec pour titre l'hominisation, apparaît à l'instant. Ce document a pour nature texte. Son idée générale est hominisation. Le document 2, que nous voyons apparaître à l'instant, a pour nature image et pour idée générale, apparition de l'homme. Le document 3 que nous voyons à l'instant a pour nature texte et pour idée générale, apparition de l'homme. Nous allons passer à la deuxième consigne. Définis l'hominisation. Pour ce faire, nous allons faire appel à notre document 1. D'après notre document 1, l'hominisation est un phénomène d'évolution au cours duquel une lignée de primates s'est progressivement transformée en humain. Nous allons retenir cette définition. Alors, l'hominisation est un phénomène d'évolution au cours duquel une lignée de primates s'est progressivement transformée en humain. Consigne 3. Identifie chaque étape de l'hominisation présentée dans le document 2. Revenons dans le document 2. D'après ce document qui est une image, nous pouvons voir différentes étapes. Nous allons commencer par ici. Au-dessus, nous voyons inscrit bactéries. Après l'étape de bactéries, nous avons l'étape animaux. Ici, il s'agit des animaux invertébrés. Après les animaux invertébrés, nous pouvons lire d'ailleurs ici, invertébrés. Nous sommes passés à l'étape des vertébrés. Après l'étape des vertébrés, nous sommes passés à l'étape des mammifères. Dans ces mammifères, nous avons plusieurs types. Après avoir exploité le haut, nous allons venir vers ici. Nous voyons que l'homme a débuté par le primate. Il y a de cela plusieurs millions d'années.
Puis, le primate s'est transformé en primate évolué. Ensuite, le primate évolué s'est transformé en australopithèque. Puis, en Homo habilis, puis en Homo erectus, et enfin en Homo sapiens. Nous pouvons donc retenir ici que les différentes étapes de l'hominisation sont, tout a débuté par la bactérie, puis nous avons eu des animaux invertébrés, puis des vertébrés, ensuite des primates, puis des primates évolués, ensuite l'australopithèque, puis l'homo habilis, puis l'homo erectus et enfin l'homo sapiens. Alors, les différentes étapes de l'hominisation sont, nous allons directement commencer par l'étape des primates. Après les primates, nous avons l'étape des primates évolués. Puis, nous avons l'étape de l'australopithèque. Ensuite, l'homo habilis, puis l'homo erectus et enfin l'homo sapiens. Voilà donc quelques étapes de l'hominisation. Quatrième consigne, décrit les trois premiers hommes présentés par le document Croix. Nous allons à nouveau faire appel à notre document Croix. D'après ce document Croix, les trois premiers hommes sont l'homo habilis, maîtrisant le langage, l'homo erectus, maîtrisant le feu et la taille des outils, et enfin l'homo sapiens, homme intelligent, ancêtre de l'homme actuel. Nous allons passer au recentrage. En ce qui concerne cette première séquence d'apprentissage, nous pouvons retenir que l'hominisation est un processus qui a conduit à la formation de l'homme actuel. Les étapes de l'hominisation sont les primates évolués, l'australopithèque, l'homo habilis, l'homo erectus, l'homo sapiens. Nous allons à présent passer à la deuxième séquence de notre unité d'apprentissage. Cette séquence a pour titre les aires d'occupation des premiers hommes. Pour égayer cette séquence d'apprentissage, nous allons nous appuyer sur le document CARG. Il a pour titre le peuplement de la Terre. Observe le document CARG. Ce document a pour source le calendrier Sophie et Hals, Histoire 6e de la préhistoire 6e siècle, Paris-Athier, 1994, page 27. Ensuite, nous allons exploiter le document 5. Il a pour titre « Et les hommes peuplaient la terre ». Il y a environ 2 millions d'années, des hommes quittaient l'Afrique pour se répandre en Eurasie. Cette première migration marquait le début d'un processus continu qui a abouti à ce que notre espèce se répande sur la Terre. Ce document a pour source de Paep P et les hommes peuplèrent la Terre in www.cain.info. Nous allons analyser nos deux documents. Première consigne, donne la nature et l'idée générale de chaque document. Deuxième consigne, nomme le continent sur lequel sont apparus les premiers hommes. Troisième consigne, décris le processus de peuplement de la Terre. Nous allons apporter des éléments de réponse à ces différentes consignes.
Rappelons la première consigne. Donne la nature et l'idée générale de chaque document. Le document carte, ayant pour titre le peuplement de la terre, apparaît à l'instant. Nous voyons très bien que ce document carte est une carte. Son titre est le peuplement de la terre, donc l'idée générale est le peuplement de la terre. Le document carte est donc une carte ayant pour idée générale le peuplement de la terre. Le document 5, avec pour titre « Et les hommes peuplèrent la terre », est un texte. Ce texte a pour idée générale le peuplement de la terre. Le document 5 est donc, a pour nature, un texte avec pour idée générale le peuplement de la terre. Consigne suivante. Nomme le continent sur lequel sont apparus les premiers hommes. Nous allons faire appel à notre document 5. D'après ce document, il y a environ 2 millions d'années, des hommes quittaient l'Afrique pour se répandre en Eurasie. Cette première migration marquait le début d'un processus continu qui a abouti à ce que notre espèce se répande sur la Terre. D'après ce document, donc, les premiers hommes sont apparus en Afrique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que les premiers hommes sont apparus sur ce continent. Nous allons continuer avec la consigne quoi? D'après cette consigne, il faut décrire le processus de peuplement de la terre. Pour ce faire, nous allons faire appel au document 4, qui est une carte. Alors, sur cette carte, nous allons commencer par présenter cette échelle, parce que la carte présente plusieurs éléments. Nous avons l'échelle ici, et le plus important pour nous est la légende que voilà. Nous allons commencer par exploiter cette légende. D'après cette légende, tout élément que nous voyons avec cette couleur est le territoire sur lequel a vécu l'Australopithèque. Et tout élément que nous verrons avec cette couleur représente le territoire sur lequel a vécu l'Homo habilis. Et cette couleur moins foncée représente tout l'espace occupé par l'Homo erectus. Et la dernière rubrique représente l'espace occupé par l'Homo sapiens. Nous avons un dernier élément ici qui présente les migrations. Nous allons donc exploiter notre carte proprement dite qui nous présente tous les continents. Sur cette carte, nous avons l'Afrique. Nous avons l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et donc, les premiers hommes étant apparus ici en Afrique, se sont déplacés à la faveur des migrations et du climat. D'après notre carte, cette coloration représente tout l'espace occupé par deux types d'hommes. L'Australopithèque et l'Homo habilis. Alors, d'après cette carte, l'Australopithèque et l'Homo habilis ont vécu en Afrique, exclusivement en Afrique. Ils se sont déplacés vers l'Afrique australe, vers l'Afrique du Nord et vers l'Afrique de l'Est. Nous pouvons donc retenir que l'Australopithèque et l'Homo habilis n'ont vécu qu'en Afrique. Nous allons poursuivre avec nos flèches, ces flèches qui représentent les migrations. Nous voyons donc que l'Homo habilis se déplace, puis va vers l'Europe. Nous voyons très bien cette coloration qui représente l'Homo erectus.
Et donc, l'homo habilis part de l'Afrique, se transforme en homo erectus et occupe l'Europe, occupe l'Asie. Nous pouvons donc retenir que l'homo erectus a vécu en Afrique, en Europe et en Asie. En ce qui concerne l'homo sapiens, nous pouvons comprendre que l'homo sapiens s'est déplacé jusqu'en Amérique ici. Et donc, l'homo sapiens a vécu sur tous les continents. En Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Nous pouvons donc retenir ici que l'Australopithèque et l'homo habilis ont vécu en Afrique. L'homo erectus s'est déplacé vers l'Europe et l'Asie. L'homo sapiens a vécu sur tous les continents. Que pouvons-nous retenir de cette leçon 7? Nous pouvons retenir que les premiers hommes ont vécu en Afrique, puis ont migré vers l'Asie, ensuite en Europe, et enfin en Amérique. Et il est très important de comprendre ici que le fait que les premiers hommes aient vécu en Afrique témoigne de cela que l'Afrique soit considérée comme le berceau de l'humanité. L'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité parce que c'est ici que les premiers hommes tels que l'Australopithèque ont vécu, Australopithèque, Homo habilis. Le devoir en ce qui concerne cette unité d'apprentissage consiste à décrire le processus de l'hominisation selon ton ethnie en ta langue maternelle. Nous venons de voir le processus de l'hominisation qui constitue les étapes de la formation de l'homme. Décris ce processus de l'hominisation selon ton ethnie en ta langue maternelle. Donc, le devoir consiste à décrire le processus de l'hominisation selon ton ethnie en ta langue maternelle. Nous sommes donc parvenus au terme de cette unité d'apprentissage. La prochaine unité d'enseignement est la leçon 8. Cette leçon 8 est un dossier. Ce dossier a pour titre les civilisations du néolithique au Cameroun. Prochaine unité d'enseignement, leçon 8, avec pour titre les civilisations du néolithique au Cameroun. Una tege si matege yop, una tege minga matege nyom, una tege majang matege ndom, mane tambia ninya ne njubya yen, ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndong, esa kina bia dinkido, mane tambia ninya ne njubya yen, tam tama mote tam zabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninyane njubya yen.